Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur The Last of Us partie 2. Nous sommes toujours à la recherche de carburant, on explore la ville et on vient de terminer l'exploration de la banque qui est peut-être le dernier bâtiment à faire. On a peut-être tout fait parce qu'on en a fait vraiment pas mal. On a obtenu un magnifique fusil à pompe. Ça c'était vraiment la meilleure des récompenses. Maintenant on ressort et puis peut-être qu'on va se diriger vers le dôme. Oh! Coucou toi. Enfin, d'abord, on va reprendre Paillette, on va refaire un tour pour bien vérifier. Et après, on repart au niveau du dôme. Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'arrêter au niveau de l'atelier pour voir si on peut améliorer notre fusil à pompe. Super. Direction le dôme maintenant. Direction le dôme. Attends. On va faire encore un petit tour. Rapido. De toute façon, s'il y a vraiment un truc notable, elles le disent. Elles en parlent et Ellie sort sa carte. Donc. Profitons-en. Il y aurait peut-être un petit cadavre avec une sacoche. On en a croisé pas mal. Là, il n'y a rien du tout. Et les morceaux de pont en face, là, avec les véhicules, on peut pas y aller. C'est pas relié. Si, c'est relié, hein. Attendez, on va essayer. Et là, il y a un autre bâtiment. WLF. Attendez, ici il y a quelque chose. On est où sur la carte? Parce que je suis un petit peu perdu. Ah oui, ce bâtiment-là, tu vois, il n'a pas été exploré. Et derrière nous, en fait, c'est en ruine. Ce que je pensais regarder, bah en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a juste plus rien. Donc celui-là, voilà. S'il y a marqué WLF, c'est qu'il y a bien quelque chose, non? En plus, on peut grimper. C'est solide. Yes! Parfait! Magnifique! Bon, et après, on va voir les véhicules parce que. Oui, on peut atteindre. Ah, il faut une brique, regardez. On me met une brique au sol, c'est pas pour rien. On peut atteindre les véhicules et en fait, on doit pouvoir sauter sur le véhicule de gauche. Enfin, sur le véhicule du milieu pour aller à gauche. Incroyable. Et vous savez quoi? Oh, je le dis pas. Peut-être que vous savez. Hop là. Attention. T'inquiète. Je gère. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, j'ai trop une bonne idée là-bas. Je suis persuadé. Allez, je le dis. Je suis persuadé que là-bas, je crois que c'est un camion de pompier. Il est pile au-dessus de la zone qu'il y avait en bas que je voulais explorer à l'épisode précédent ou à celui d'encore avant. Et je pense qu'on peut sauter dessus en toute sécurité et explorer ce qu'il y a là-bas. Je suis sûr que c'est ça. 18 pilules, merveilleux. Salut. Une carte, le Dr. Huckman. Dr. Huckman, retournez. Ah, et on a terminé l'exploration de la zone en fait. Donc, qui es-tu ? Autrefois un chercheur respecté, le docteur Huckman se voit radié de l'ordre de médecin en raison d'expériences controversées qu'il menait sur les limites de l'être humain. Un plaisir et un classique. Même le peu scrupuleux Laurent Foucault, qu'on connaît, des laboratoires Spark, qualifie son travail de douteux. Déterminé, Huckman continue à travailler en secret, créant des super IA pour l'assister et protéger ses recherches, pendant que lui et les New Dogs rivalisent d'ingéniosité afin de les financer. Déplaçant continuellement son laboratoire pour échapper à ses ennemis, il rêve du jour où ses sujets seront reconnus. Le classique hein, du docteur un peu fou. Et ça, tu veux pas ramasser? Allez. Merci. Ok, il n'y a plus rien ici. Bon. Mais il y a une bouteille quand même, tu sais, c'est pas rien. Hein. On va tenter les véhicules. Enfin là, c'est peut-être un peu haut. Je sais pas si on pouvait sauter. Je saute. Cette petite perte d'équilibre. J'aime trop les animations. Vraiment, je les trouve réalistes. Ça... J'aime bien. Allez, on va voir si j'ai eu raison de penser à ça. Attends, déjà ici. Les militaires ont pris une sacrée branlée. WLF. Il déconne pas. Eh, regardez derrière. On voit encore le WLF. Mais c'est pas de là que je viens, d'ailleurs. Si.
Si, si, si. Ohé, ça le fait, t'inquiète pas. Oh, ça le fait. C'est dans ma nature de m'inquiéter. Ça le fait. Alors, on a un cadavre avec une petite sacoche. Comment il a baissé la tête, genre en me voyant? Pas de sacoche. On peut grimper là. On ne peut pas. Oh là, doucement. Ah, je peux ouvrir ça. Oh, la vache. Garde-moi ça. Oh, une hache. Pas mal. Bien joué. Pas mal du tout. Ah oui, mais on avait déjà quelque chose de pas mal. Je crois que ça se vaut, mais la hache est quand même plus stylée. Et la trousse de soins, je ne peux pas la prendre parce que je suis à fond, je crois. Ah, regardez ça, mais regardez ça, mais regardez ça. Excellent. Ah, je suis trop content. Je suis trop content parce que j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose sur le sur cette plateforme en bas, là. Et là, on va pouvoir utiliser le tuyau des pompiers pour descendre. En tenant une corde, laissez-vous tomber. Laissez-vous tomber. Laissez-vous tomber. Ellie ? Quoi ? T'es sûre de ton coup, là ? Je crois. Oh là là. Oh là là ! Maintenez R1 pour vous balancer. Oh, ça se transforme en Lara Croft. Ah, c'est trop bien. Regardez, on voit des pilules ! Ya ! Yeah. Oh, t'es une blague, Ellie ! T'es une pire... Oh, la pire des blagues. Oh là là, je te déteste. Attends, attends, attends. Je peux peut-être attraper ça. S'il te plaît. Oh, merci. Je voulais pas tout refaire. Ouais, bon, on a Lara Croft et on a Ellie, quoi. Très bien. Très, très bien. Allez, on va faire ça mieux. Merci. Merci beaucoup. Et voilà. Bien joué. J'arrive. Oh, comment elle s'est jetée sur la bouffe. Nice. Vraiment nice. Il faut qu'on aille à l'atelier. Enfin, à l'établi, quoi. Il n'y a rien d'autre. Bon, je pense que cette fois, quand même, on a dû tout faire. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais... Ah, j'ai envie de continuer. Là, on va aller à l'établi. Et ensuite... Hop là ! Au dôme. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau ? J'ai 80 en amélioration. Prends le fusil à pompe. 80, c'est bien parce que c'est un chiffre rond. On peut peut-être faire deux choses. On a la cadence de tir. Remplacer les ressorts de l'extracteur. Plus 5... 55% de cadence de tir. La stabilité, c'est très bien. La capacité. Ah non, la capacité directe. Je sais que c'est pas le truc le plus voyant, mais le fait de pouvoir mettre plus de munitions, c'est vraiment primordial. C'est quand même stylé de l'avoir bricolé. C'est bien fichu, hein. Est-ce que je peux améliorer quelque chose d'autre? On va peut-être économiser, hein. Parce que tout coûte cher de toute façon. Là c'est 40. Franchement, j'économise. J'économise. Après, on ne croise pas très souvent des établis non plus. Hein, donc... C'est pas le truc de fou. Quoi? Mais... Merci. Comment ça se fait qu'il y avait encore deux cartouches ici? Je comprends pas bien. Des fois, quand je lance ma sauvegarde, en fait, il me remet en arrière et certaines choses ne sont pas comme elles étaient à la fin de ma sauvegarde précédente. C'est un petit peu bizarre et je pense que je rate peut-être des objets, ou du moins, il n'y a pas les mêmes objets. C'est un petit peu bizarre. Allez, direction le dôme. Il y a autre chose qui me fait penser qu'on a peut-être tout vu ici. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu de petite sacoche à côté du cadavre vers le camion de pompier. Je pense qu'en fait, il y a forcément une sacoche devant les petits cadavres. Centre de distribution de rations. À Boston, la queue faisait plusieurs pâtés de maison. Attends, pose-toi là. Et la bouffe était dégueu. Ça m'aurait rendu dingue.
Certains pétaient les plombs. Allez, faut trouver le moyen d'entrer. Ouais, je pense qu'à chaque fois, il y avait une petite sacoche à côté des cadavres et que vu que j'ai trouvé tous les trucs secrets ou un petit peu cachés, eh bien, il n'y en a plus. Voilà, mais j'aurais pu trouver une sacoche là-bas si je n'en avais pas trouvé une sur un autre. Voilà, je pense que c'est bien fichu pour que tu puisses quand même trouver assez facilement les choses. Distribution de carburant. Allez, c'est parti. Distribution de carburant. On peut dire que la Fedra a bien barricadé cet endroit. Il y avait toujours des pénuries de nourriture à Boston. Échelle, gauche. Échelle ou gauche? On commence à gauche? Je ne sais pas. On essaye. Il y a l'air d'avoir des petits passages un petit peu partout. Ouais. C'est fermé de toute façon. Voilà, donc faut passer de l'autre côté. Ah bon, hein. Tu peux passer. Ah non. Ah non, ne me faites pas ça, les filles. C'est bon, vas-y. Oh là 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 là, je me fais encore avoir. Ah, il est désinfecté en plus. Adieu. Adieu, petit stuff. Qui était en haut de cette échelle. Nous ne pourrons pas te récupérer. Quand vous êtes accroupi dans les herbes, vous êtes plus difficile à repérer. Très bien. Bon, bah, super. Super. Ah, attends, t'es plus dans les herbes. Tranquille. Tranquille. Plus difficile à repérer, ça veut pas dire invisible non plus. Hein. Méfiez-vous! Il y en a un deuxième en plus. Oh, il y va! Il y va! Ça le met cause sur patte. Cause sur patte. Nice. Bon, du coup, intéressant, les hautes herbes. Net et sans bavure. Bah, net et sans bavure, ça aurait pu être mieux. Attends, laisse-moi faire demi-tour. Laisse-moi faire demi-tour et tout est pardonné. Ah, je peux pas, je peux pas. Quelle angoisse, je déteste. Je déteste ça. Où est-ce que je continue? En face. Je déteste ça. On vient de rater un bouquin d'amélioration. On a tout raté, là. On a tout raté. Il y a encore des gens. Il y a encore des gens. Ouh, j'ai entendu un claqueur, là. Hein. Oh, mon Dieu, tu fais un bruit, toi. Hé, maintenez rond pour vous allonger. Ah, voilà. Les herbes sont pas aussi hautes, là. Hein. Deux claqueurs. Deux claqueurs et deux coureurs. Lui, il vient là. Lui, il vient là. Attendez, attendez. Oh, je vais me faire repérer. Ah ! C'était très, très, très chaud, là. J'ai eu très chaud. Ah, ici, c'est un petit peu plus haut. C'est lui qui va revenir? Ok, lui on le chope. Lui on le chope. Oh. Allez, viens par là, viens par là. L'autre va me voir là. Oh non! Non! Une magnifique action. Très belle action, remarquable. Ah, c'est très bien ça. C'est très bien, on va pouvoir recommencer. Attends, reste bien là. On va juste le faire revenir plus près. Voilà. Voilà, un petit peu plus sécure, hein. C'est très propre. Du premier coup. Alors, reste allongé. Poussez-vous les cadavres. Laisse-moi comprendre comment ça marche, là. On a deux claqueurs et un coureur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'herbe au centre, là. Je vais me faire... choper. Attends. Ah ouais, mais... Merde.
Je tente quelque chose, mais j'ai l'impression que là, je vais me faire voir. Si je reste immobile. Ok. Ça passe, ça passe. On va faire tout le tour comme ça. Là, y a plus d'herbe, y a plus d'herbe, y a plus d'herbe, y a plus d'herbe, y a plus d'herbe. Chut, bouge plus. Bon, c'était bien plus propre. Chut, 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 doucement, doucement, doucement. Ils ont des têtes de poulet, non? Ils se transforment en oiseaux, c'est la prochaine étape. Ah, ils sont vraiment dégueulasses, là. On les voit en plein jour, comme ça, dans le soleil. Ah, ils sont vraiment dégueu. C'est bon? C'est bon, elle se redresse, elle, elle en a rien à foutre. C'est bon! Bon. Je pige pas. S'il y avait encore des gens dans le coin, ils auraient nettoyé la zone, pas vrai? Ils sont peut-être pas arrivés jusqu'ici. Peut-être. Allez, faut trouver de l'essence. Ok. Allez, on grimpe. Peut-être qu'on va pouvoir retourner de l'autre côté, mais de toute façon... En fait, je me stresse pour cette échelle là de tout à l'heure. Mais... Notre but, c'est de récupérer de l'essence et de repartir dans la direction de la barrière où il fallait mettre l'essence. Donc, je vais forcément repasser devant l'échelle. Donc, tout va bien. Tout va bien. Oh. Attends, accroupis-toi parce qu'on sait jamais ce qu'il y a là-dedans, hein, tu sais. C'est joli ici. Ah, oh, les effets de lumière. Il y a un oiseau. Oh, c'est vraiment sympa. Alors, on va tellement se faire attaquer. Qu'est-ce que j'ai encore sur moi? J'ai toujours hein, mon molotov, du coup, que j'ai pas utilisé parce que j'ai recommencé. Mais c'est très bien. Le fumigène. C'est pas un fumigène, en fait. Je dis que c'est un fumigène, mais c'est pas un fumigène. C'est ça que je me suis fait avoir la dernière fois. C'est pour ça. Attendez, laissez-moi bien revoir. Mince, c'est pas du tout ce que je voulais voir. C'est une grenade incapacitante. Donc, c'est un petit peu une... Étourdit les ennemis dans la zone d'impact. Ouais, ça n'a rien à voir avec un fumigène. C'est pour ça. C'est pour ça que ça n'a pas marché la dernière fois. En fait, elle a fonctionné, je crois. Peut-être plus tard, le fumigène. Je sais même pas si ça existe vraiment. C'est peut-être un vieux souvenir du 1. Bref, vous savez quoi? On avance. Y a personne, hein. Allez, on y va. Ellie, c'est une synagogue. Ah, le carburant est là-bas. Une synagogue? Tu t'y connais, toi? Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur, le chandelier des Hébreux. Et deuxièmement, j'ai pas encore pris feu. Comment ça, pris feu? C'est une blague débile. Ça t'arrive d'en faire des bonnes? Ferme-la. On peut pas crafter quelque cet chose avec ce que je ramasse. Ah non, je suis à fond. Ma sœur arrêtait pas de me traîner à la synagogue. On va faire un fumigène qui n'est pas un fumigène. J'imagine que vous me l'avez répété plusieurs fois. Ta sœur t'emmenait à la synagogue? J'imaginais pas que t'étais croyante. Non. Mais j'aime être issue d'une longue lignée de survivants. Tu parles de l'épidémie? Ouais. Et de l'Inquisition. Et de l'Holocauste. Ah ouais. Ma famille a toujours survécu. Ou presque. Tu m'étonnes. Il y a un truc par terre, non? Ah, c'est une bouteille. Bon, j'ai vu le carburant. On y va en dernier. T'as les flèches. T'as les flèches comme avec le corona. Suivez bien les flèches. Une entrée et une sortie. Un mètre de distance, s'il vous plaît.
Ok. Ok, on a fait les choses bien. J'ai l'impression. On va se faire attaquer alors qu'on est dans la cage, ça va être horrible. Ok, alors... Merde, c'est génial. Sois poli, c'est un lieu de recueillement. Il y a de l'essence ici. Oh putain, c'est génial. D'accord. Et maintenant, une attaque totalement surprise. Deux personnes. Bon, je vois peut-être le mal partout, hein. Merci. C'est vraiment joli, hein, ces effets. Ça t'arrive encore de prier? Ouais, parfois. Vraiment? Quand ça? J'ai prié quand on a quitté Jackson. J'ai prié sur la tombe de Joël. Parfois, je me dis des petites prières, juste pour moi. Croyez ce qui vous aide à dormir la nuit. Ça t'aide? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. C'est une façon de gérer mes émotions. De faire preuve... de respect. J'ai pris l'habitude. Dac. Par où je m'en vais? Est-ce que je reprends le passage là-bas? C'est trop haut. À moins que je puisse justement... Oui, c'est ça. C'est ça. Je dois pouvoir reprendre le chariot maintenant. Yes. On va le coller à côté. On pourra grimper. Allez, je manœuvre. Je maîtrise la conduite. J'écrase ma pote. Je poursuis ma pote. Ou ma copine, d'ailleurs. On va plutôt dire ça. Tu es pourchassé. Où es-tu? On va... Tu sais, ça va d'un coup, ça va faire poum poum. Un gros dos d'âne. Bah, ce sera Dina. je le mets ici. Et voilà le travail. Voilà, merveilleux. Par là, vas-y, je te suis. Oh, le stock. Le stock, le stock, le stock. Première classe, Miller. Selon nos sources, le WLF aurait une base active à l'angle de Spring et de la 5e. Rassemblez les soldats disponibles de votre secteur et rendez-vous sur place immédiatement. Exécutez les suspects et sécurisez les lieux. Et attendez mon arrivée. D'accord. Sergent Ward. Oh! Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu nous refais le coup de Lara Croft? Attends une seconde. Est-ce qu'on a tout eu? Eh non! Eh non, pas du tout. Oh! C'est quoi ça? Oh, ça c'est la Torah. La quoi? Disons que... dans le judaïsme, c'est un peu l'équivalent de la Bible. Ah. Ma sœur aurait trop aimé voir ça. Celle qu'on avait au Nouveau-Mexique était à moitié brûlée. Allez. Cool. Au moins, ils ont pas tout balancé. C'est sympa qu'on trouve ça. Bon, vous auriez pu cacher quelques trucs à côté, mais... c'est sympa. Maintenant, on reprend la corde ou le fil électrique, là, je sais pas. Je parie que je peux atteindre l'autre balcon avec ça. Allez. On peut pas aller à droite, hein. C'est beaucoup trop loin. C'est bon. Je maintiens. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ces animations, là. Je peux partir en sucette complète. Tu sais, c'est pas rigide comme dans certains jeux. Allez Lara, on y va. On croit en toi. Un petit peu plus d'élan. Et tu lâches. Spectaculaire. Pas de problème. Allez Dina. Ok. Ok. On fait comme ça. Méfiez-vous qu'il n'y ait pas un truc quand même, hein, parce que... sinon je balance un fumigène qui n'est pas un fumigène. Faites bien gaffe.
Depuis l'autre dans les toilettes, là, un petit peu flippé, quoi. 5774? On a fait un bond dans le futur? Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Ah, super, maintenant j'en ai envie. Ah, ça devait être bon. Pendant les fêtes juives, on mange tout le temps. C'est ça qui est bon. On se félicite de ne pas avoir été annihilés par nos ennemis. Une longue lignée de survivants. Exactement. Attendez, hein. Oh là 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 là, il y a plein de trucs à lire, elle prend des notes et en plus il y a encore un truc dans le tiroir. Lire. Quand je pense à Joël, à lui, je ne vois que sa peau ouverte, sa mâchoire pendante, ses tripes déversées. Je ne veux pas qu'elle se souvienne de moi comme cela, je préfère mourir seule. Est-elle morte seule? Dieu était-il avec elle? Était-il à tes côtés à la fin? Était-il avec Joël? Est-ce que j'ai empiré les choses avec Joël? Ou est-ce que je lui ai tenu compagnie? Contrairement à moi, pour que la foi dans la douleur, plus que la foi dans la douleur, je cherche la foi dans la douleur. Bah dites donc, elle est vraiment marquée, hein, mais c'est normal, mais ce qu'elle écrit, waouh. Un petit peu torturée quand même. Hein. Bien. Et ça, c'est quoi? Lieutenant Torres, il y a 70 ans, mon grand-père a quitté l'Allemagne avec sa famille pour échapper à la Seconde Guerre mondiale. Il a fui grâce à la bonté et à la bravoure d'une famille polonaise. La vie suit son cours et le cycle continue. Ce soir, ma famille fait ses valises et grâce à votre générosité, nous quittons la ville escortés par vos courageux soldats. Merci de m'avoir aidé à préserver notre synagogue. Il est difficile d'abandonner notre maison, mais au fond, ce sont les personnes vivantes qui comptent le plus. Vous portez sur vos épaules une lourde charge, et j'espère que notre conversation nocturne vous a aidé dans votre tâche. J'ai pour vous une dernière pensée. Chaque pas qui nous éloigne d'un monde meilleur est généralement suivi de deux pas dans la bonne direction, dans sa direction. Gardez espoir en l'avenir. Comme le dit l'adage, il suffit d'une bougie pour dissiper les ténèbres. Que Dieu vous protège, je vais dire vous garde. De la part du rabbin. Joli message. Très joli message. Bien, bien, bien. Écoutez, ce fut un bâtiment très intéressant. J'ai l'impression qu'on pouvait passer là-bas. On pouvait peut-être passer là-bas. C'est bizarre, on voit une porte. Ah mais là je peux pas repartir, bon bah j'ai peut-être raté quelque chose. Je sais pas, je me prends peut-être la tête pour rien. Je suis pas sûr en fait. Maintenant on fait demi-tour, on va passer à la fameuse échelle. Descends, descends. Doucement. Ah oh là là, cette petite perte d'équilibre. Bon, le portail maintenant. Voilà, on prend l'échelle et on retourne au portail. L'exploration de la ville est terminée. Ça nous a pris beaucoup de temps, hein. C'était vraiment grand. Mais je suis vraiment content. J'aime bien ce système. C'est pas linéaire. C'est comment dire... Il n'y a rien là-dedans. Super. C'est gratifiant, je trouve, de trouver toutes ces choses. De se dire, ouais, j'ai trouvé ça, le code ici. C'est assez gratifiant. Eh ben cette échelle, vraiment, c'était ce qu'il nous fallait. On a bien fait. Où j'ai garé mon cheval. Allez, on repart. Peut-être que j'ai pas tout vu, mais bon. C'est bon, je suis satisfait, j'en ai assez. Ça va bien? T'as le mal du pays? Juste un peu. Et toi? Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça me manque. Tu sais, j'ai toujours rêvé de taper une ferme à l'extérieur de Jackson. Eh bah, quelle aventure! On n'a croisé aucun WLF. Hey, la ville est grande. On commence à peine les recherches. Ouais, je sais. J'avais espéré en trouver au moins un.
T'inquiète, quand on va aller dans l'hôtel là, ça va être la guerre. Hein. À mon avis, ça va être la guerre. Nos premiers vrais combats contre des humains vont commencer. C'est parti. Regardez Payette qui veut absolument être dans l'angle de caméra. Ok. Je m'en charge. Tu peux taper le code. Le code ? Gate East 2. Les deux générateurs sont parfois capricieux. Il faudra sûrement essayer plusieurs fois. Oh. Pardon, tu disais ? Non, rien. Alors, Est 2, c'était quoi le code de Est 2 ? Code, 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 code. C'est où ? J'ai perdu les codes ! Code, 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 code. Code du bon chien. C'est pas ça. C'est clairement pas celui-là. Ah, il y a trop de trucs, j'arrive pas à organiser mon cerveau. Code des postes de contrôle, ça y est. On a dit Est 2, c'est 5345. Bon, pas de comité d'accueil. Ou alors, ils se sont planqués. Faut trouver une entrée. Surveille bien les fenêtres. J'appréhende le comité d'accueil, effectivement. Wolf. WLF. J'ai compris. Ah ouais. Ça se tient. D'accord. D'accord, moi j'avais absolument rien capté personnellement. Mais d'accord. C'est quoi cette petite pièce là ? C'est les toilettes avec un code. Faut consommer pour rentrer ici. Là-haut, on peut peut-être grimper. Je sais pas trop. Tu veux pas ? Un petit peu suspect, je trouve. Vu comment il est garé. On va continuer à faire le tour. On a le portail. C'est bien barricadé. Vous avez les barbelés. T'as vu ça ? Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. On pourrait faire pareil, du Pourquoi t'as allumé ton truc, là ? Pas de coup de feu. C'est bizarre, non ? C'est un infecté qui est passé ? Je sais pas ce qui se passe. C'est vraiment un infecté ? Je suis pas sûr, hein. Range ta grenade incapacitante qui n'est pas un fumigène, s'il te plaît. T'as le code du portail ? Je suis pas sûr. C'est quoi ici ? Est 1. Ah bah elle veut même pas regarder, je crois. Code, 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 code. Est 1. Non. Malheureusement. Mais si, regarde, 23, 21. Bon. Non ? Bon, on peut pas essayer, c'est clairement pas fait pour être trouvé. Donc on n'a pas le choix, faut passer avec le prétendu infecté. Astuce. Je sais pas du tout quoi faire. Bah attends, j'ai pas eu le temps de réfléchir. On peut peut-être aller là-bas. Eh ouais. Bon bah écoutez, allons-y. Hein. Ah, c'est vraiment un infecté, regardez. Ou alors il est pas bien, quoi. Il a peut-être mangé un truc qui passe pas, mais bon. On fait le tour pour être un petit peu plus discret. On a des herbes, donc peut-être qu'il faut en profiter.
c'est quoi la tronche de ces trucs sur les côtés de l'hôtel, quoi? Ce machin! Ouah, regardez, ils sont nombreux. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre l'entrée principale comme ça, là? Ah, toi! J'en vois un. Tu veux pas venir jusqu'ici? Il fait le tour, lui. Oh, ils sont nombreux! Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là-bas? Je me casse! Méfie-toi! Regarde, je suis planqué! Tu ne me vois pas! Ok, ça c'est fait. Pas mal. Je pense qu'on en a grillé plusieurs. N'oubliez pas votre fumigène qui n'est pas un fumigène, hein, en cas de danger. Oh, oh, oh. Alors. On a peut-être tout nettoyé, hein. Regardez ce bon tas de chair. Notre arme à distance la plus précise, je l'ai toujours pas vraiment utilisée. Hein. Même pas du tout, en fait. Oh. Celui-ci est encore chaud. Mmh. Il y a un loup sur son insigne. On dirait qu'ils ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. C'est plutôt bon signe. Si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël se sont fait avoir par un Vulcain infecté... Il serait mort, c'est tout ce qui compte, non? Ouais, mais ce serait pas juste. Mais nous, on veut les faire souffrir. Autant profiter d'être là pour faire le plein. Nous, on veut de la souffrance. Oh, regardez-moi ces chiens Golden. Comme ils sont beaux. Peut-être que je crafte, non? On est au max de tout. Niveau pilule, où est-ce qu'on en est? On est à 79. Go améliorer la vitesse d'écoute. Et 60 pour le tenace. Pour résister avec un petit PV, je pense. C'est comme sur cash. Alcool, alcool, alcool. Bon, j'ai vu qu'il y avait une porte. Je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Mais d'abord... Yes! Ah, la photocopieuse! C'est ça que je voulais. La photocopieuse. Bon... Eh, ici, c'est la même salle? Oui, c'est la même salle. Ok, next. La porte. Mais ils se sont fait buter il n'y a pas longtemps, eux, non? T'es sûr que t'es mort, toi? Ils se sont fait tirer dessus. Ah! Tu les reconnais? Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. Mais alors, qui les a tués? Peut-être Tommy? Peut-être Tommy, justement. On est peut-être juste sur sa trace. On va tomber sur lui, il va nous faire flipper.
Niveau équipement, on est bien. On grimpe. Attends. Je suis sûr qu'il est encore là. Regarde ça, ils viennent de mourir, eux. Ils sont même pas bouffés du tout. Je le reconnais pas non plus. Une poussière dans tous ces tiroirs. C'est insupportable. Plein. Bah ouais, plein. Je peux te comprendre, hein. Je suis plein. Voilà, y a plus rien à faire. 4 sur 3, 4 sur 3, 4 sur 3. Hein. Peut-être que c'est justement avec mes petites pilules. Confection, amélioration d'armes corps à corps. Non, je peux pas. Tiens, regardez, confection de fumigène. C'est ça qui m'a perturbé. Transforme les grenades incapacitantes en fumigène. C'est absolument ça qui m'a perturbé. C'est sûr. C'est sûr, c'est pas autre chose. Donc voilà comment avoir les fameux fumigènes. Est-ce qu'on peut grimper? Je m'attends à un truc qui nous saute dessus, hein. Une mauvaise surprise. Merde. T'as la luminosité ici. C'est quoi ce bordel? C'est un coup de Tommy. Ça. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joël. Merde. Il y en a un autre par ici. Lui, je l'ai jamais vu. Ils les utilisaient l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. Est 1. Encore un code? On dirait bien. Ça vient d'arriver, Ellie. Il doit pas être bien loin. Bien, bien, bien. Encore une sacrée scène, hein. On peut sortir par là. Je trouve que la luminosité ici, ouais. Avec ce rideau et la lumière, enfin vraiment, waouh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que on peut pas récupérer quelque chose? Est-ce que je marche sur la table parce que j'ai aucun respect? Possible. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause après cette scène? Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Pour voir si on rencontre Tommy. Je pense que ça peut arriver bientôt. On est un petit peu trop seul dans notre coin depuis un bon moment pour que rien ne nous saute dessus. Hein. Vraiment. On se retrouve bientôt. Des bisous. Bye bye.